Hey yo les amis, c'est Rigolo les amis, je se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui les amis, on va aller faire une surprise les potes à un nouvel habitant de la ville qui va arriver d'ici quelques vidéos, ou je sais pas vraiment quand, mais bientôt. Et les potes, il est pas encore arrivé dans la ville, on va aller justement lui offrir une voiture. Donc j'espère que ça vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre mon Tipeee ou alors mon lien AdFocus qui me ferait super plaisir. On va aller chercher la carte bleue qui est juste là pour payer le cadeau, vous allez voir. On va payer un cadeau pour le nouvel habitant. Par contre, on va pas devoir avoir de... Je vais pas dire parce que... Peut-être qu'il regarde la vidéo, donc on va pas le dire maintenant. Mais ça commence par M. Mais voilà, je voulais pas dire plus et ça finit par N. MN. Donc voilà, le mot finit par M. Enfin, que ça commence par M, ça finit par N. Donc, vous allez voir. Je vais un petit peu me rouler, un peu n'importe où. Et dans le but de trouver quelque chose. Mais je vous dis pas plus que ça. Ce sera une surprise pour vous et pour lui. S'il regarde la vidéo. Alors, en vrai. Oh là là, il y a un cerf dans. Il y a un cerf sur la route. Fallait pas que je l'écrase. Non, ne faites pas ça dans la vraie vie, hein, pour les jeunes abonnés, mais voilà. Et attention, il y a un mouton, mais oh là là, ils peuvent pas se mettre sur le trottoir, non? Oh là là, bon, en vrai, de vrai, je pense que je vais tourner à gauche après, parce que je pense que je vais pas tourner maintenant à gauche. Je pense qu'on peut... Regardez, il y a un McDonald's, là. Ah, c'est bien, ça. Je pense qu'on peut tourner à gauche, hein. On va dans... En fait, le mot finit, le commence par N, ça finit par N, et le but, c'est de trouver quelque chose. À vous de trouver, j'ai pas plus d'indices, parce que sinon, vous allez savoir tout de suite. Mais là, on n'est pas vraiment dans une zone où... Ah oui, feu rouge, on attend. Bien sûr, on attend. Regardez, il y a même de la fumée sur le pot d'échappement. Regardez comme c'est bien fait, là. La voiture avance encore un peu. Regardez, on peut même voir en dessous du sol, il y a un petit bug qui permet de faire ça. C'est marrant. Là, on peut voir qu'il y a de l'eau en dessous. Ah, c'est bon, c'est vert. Je pense qu'on peut... Ah. Peut-être que... On va aller tout droit. De toute façon, on va pas gêner le trafic, même s'il y a personne. Ici, c'est 80. Pour les maximum jusqu'à 80. Là c'est plus une zone commerciale. Mais je pense que vous avez deviné, hein, pour ceux qui... Voilà. On va lui trouver quelque chose. Mais vous allez voir. Et s'il l'aime pas, bah, je pense qu'on changera. On est un petit peu loin, là. Oh, désolé les potes, c'est pas un exemple, ne faites pas ça dans la vraie vie. Ne faites pas ça dans la vraie vie. Ouh là là. Non, c'est pas là, pardon. Faut que j'aille ailleurs. C'est plus vers le Ikea. Je vous dis pas plus. Il y a même un habitant... Alors on peut tourner, je pense, à droite. Je crois que c'est par là. Normalement, c'est à droite. Donc on peut tourner à droite. Il y a des chiens sur... sur le trottoir. Là, pour une fois, c'est sur le... Ah, bah voilà. On arrive dans la zone. Oh, j'ai ouvert le coffre sans faire exprès. Heureusement qu'on n'est pas dans la vraie vie. Regardez. Les potes, je pense que vous avez deviné maintenant. On est dans une zone où il y a des maisons. On va aller trouver une maison. En gros, c'est ça la vidéo. Je vous dis pas plus que ça. Mais on va trouver une maison. Pour... Ouais, on avance en arrière. Elle va s'arrêter, ça va. Donc, en vrai, j'aurais celle-là comme maison pour lui. J'espère que ça va lui plaire, si jamais. Une maison un petit peu... rouge Bordeaux. En plus, il y a une ville qui s'appelle Bordeaux. Regardez, là, c'est l'entrée. Regardez. Par contre, les plaques de pression, il pourra les retirer parce que ça fait du bruit et tout. Mais regardez, il a un étang. Un étang. Et si regarde la vidéo, bah. Voilà. Regardez cette maison. Il n'y a pas de deuxième étage. C'est une villa. Alors, par contre, elle est où l'entrée? Parce que c'est un peu chiant de pas savoir où est l'entrée. Elle est là, voilà. Il n'y a pas de porte. Faudrait qu'il en mette une. Regardez comme c'est grand. Là, il aura la cuisine. Il pourra même déplacer les pièces s'il veut. La salle à manger. Là, il a. Ça, je sais pas ce que c'est. Je vais retirer parce que voilà. Là, il pourra faire sa chambre. Il pourra faire plein de pièces. Il pourra même rajouter des murs et tout. Regardez le rêve, quoi. Honnêtement, moi dans la vraie vie, j'adorerais avoir une maison comme ça, franchement. Je lui donne la chance d'avoir une maison comme ça. Moi, j'aurais aimé avoir une maison comme ça. Donc, après, il y a les autres. Bien sûr, il y a les autres. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Il y a celle-là.
Regardez, elle est un petit peu moins. Voilà. Pour lui, je sais pas, je sens pas qu'il va aimer celle-là, tu vois. Je ne le sens pas du tout. Alors, elle est où la voiture par contre? Parce que c'est bien ça, mais je veux trouver la voiture. Je crois qu'elle est de l'autre côté. Normalement, bon. Faudrait que je voie un petit peu. Ouais, elle est de l'autre côté. Après, il y a celle-là. Qui est pas mal du tout, franchement. Ah, mais non, pardon, c'est pas une maison, c'est hein, le magasin de lit. Ou alors, il y a celle-là qui est super jolie aussi. Regardez. Franchement, elle est pas très mal. Il y a juste le truc de verre qu'il pourra retirer. Donc là, on a par exemple, il pourra mettre le salon. Là, wow, il a un petit lac et tout. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis un étang. Après, pour aller à l'étage, c'est comment? Parce qu'il y a un étage, mais on peut même pas aller au deuxième étage. Ah, c'est pardon, c'est là, il faut. Par l'extérieur. Bon, en plus, quand. Je me souviens quand j'ai. Quand. J'ai, pour, dans. Pour, la. Quand, dans la toute première fois, j'ai rejoint la ville, je choisissais une maison et je pensais que j'allais prendre celle-là. En vrai, pour lui, cette maison, elle est pas mal. Mais après, la maison, la plus grande, elle est mieux, je trouve. Donc, on va sortir de là. Et on va sûrement prendre celle-là, je pense. À côté du nouvel habitant, il sera juste en face en plus. Donc, c'est super. On va pouvoir réserver la maison, les potes, maintenant. On va pouvoir le réserver. Alors. Peut-être qu'après on téléphonera au nouvel habitant à distance, je sais pas. Mais du coup, bah non, je dois pas payer la maison, je suis le maire. Bah non, du coup, je dois pas la payer. Je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie non plus, mais je dois même pas la payer. Donc, on va lui réserver cette maison. Oh, il y a un petit oiseau. Comment ça va? Robert. C'est Robert. Non, peut-être pas. Alors, on va prendre une pancarte pour qu'on sache que c'est lui. Maison. Nouvel habitant. Et bien sûr, on va faire avec une commande de Google Maps. Slash set warp. Attendez. Slash set warp, c'est une commande de Google Maps. Enfin, le Google Maps de la ville. Set warp. Maison. Nouvel habitant. Donc, regardez. J'ai fait sur un sorte de Google Maps de la ville qu'on a fait. Slash set warp maison nouvel habitant. Donc maintenant on pourra retrouver à tout moment la maison. Maintenant elle est, on pourra plus jamais la perdre. On pourra. Oh, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me ferait super plaisir. Rejoindre mon don AdFocus ou alors mon lien Tipeee si vous n'avez, ou alors mon lien AdFocus si vous n'avez pas les moyens ou Tipeee si vous avez les moyens que vos parents veulent bien. Merci pour tout, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Je vais regarder la route. Ciao ciao.